Ce dimanche, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Voilà 6 ans que l'ONU a fait du 13 juin une journée spéciale pour les albinos. Ces personnes sont atteintes d'une maladie rare qui se traduit par une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Une maladie contre laquelle il n'existe pour l'heure aucun traitement. D'après l'OMS, une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique subsaharienne, ce serait le double, mais les données statistiques sont peu précises. Il faut dire que dans de nombreux pays, les albinos subissent de fortes discriminations liées à des croyances ou des superstitions, ce qui accentue le phénomène d'exclusion sociale. Ainsi, l'ONU préconise d'employer le terme « personne atteinte d'albinisme » plutôt qu'albinos, considéré comme péjoratif.